voilà, on est à la fameuse, la terrible et formidable gare de Rennes. Nous allons récupérer notre ami Gary qui vient de Marseille. Collectif, va sur la scène. Collectif, plus que tout le monde. Collectif, tout le monde crie. Collectif, allez. Collectif, va sur la scène. Collectif, plus que tout le monde. Collectif, tout le monde crie. Collectif, allez. Ça y est, c'est bon, c'est retipard. 13 mercenaires sur la ligne de départ. Prêt à donner tout ce qu'on a dans la course, même si pour ça faut finir. Bah, ce collectif, il est né déjà, c'est une histoire de potes, de collègues. Tout va se passer dans la boîte à chapeau qui va sortir là, dans les jours qui arrivent. C'est vraiment axé sur l'envie de décrocher, le bien-être, le lâcher-prise en fait. Ça part de base souvent d'écriture de chacun. Soit dessus, on vient se greffer. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on part déjà de couplets existants pour aller écrire un couplet qui peut compléter la chanson, qui peut ou l'amener un petit peu ailleurs. Rock, chanson, hip-hop, ça va envoyer du son. Voilà, ça va envoyer du lourd. Et puis en plus, comme on est... Collectif, va sur la scène. Collectif, plus que tout le monde. Collectif, tout le monde crie. Collectif, allez. Collectif, va sur la scène. Collectif, plus que tout le monde. Collectif, tout le monde crie. Collectif. Parce que c'est une bonne inflexion, ça. Collectif, va sur la scène. Collectif, plus que tout le monde. Ils sont pas habitués à manger des patates avec l'huile d'olive. Là c'est... Il m'a fait quoi, tu as pris l'huile d'olive, m'a dit Jérôme. Normalement ils font ça avec du beurre. Collectif, va sur la scène. Collectif, plus que tout le monde. Collectif, tout le monde crie. Collectif, allez. Collectif, va sur la scène.